Cancun, voici l'américaine Kerri STRUG. C'est du même tempérament, la même trempe que Shannon Miller. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Trop d'impulsion. Il manquait un tout petit quart de tour. Voilà. Elle a donc tenté le Yurchenko avec une vrille et demie pour la slip. Et là, vrille et demie, pirouette et demie dans le deuxième envol. Stabilisation très difficile. Il en a manqué un tout petit peu. Ah, c'est l'épreuve qui ne pardonne pas. Hein, regardez bien, on voit l'épaule gauche qui traîne légèrement ici. Et, oui. Et elle, ça l'empêche de se redresser complètement pour stabiliser sa chute. Désaxée à partir de la fin de la rotation. Deuxième saut pour Kerri STRUG qui a 15 ans, 1m37, 32 kg et 9,75. Et oui, c'est une très bonne note car c'est un saut qui part sur le maximum et il est moins pénalisé forcément. Alors, la prise de risque paye, c'est un des aspects du nouveau code de pointage. L'entraîneur américain qui a déjà réussi un joli coup avec Shannon Miller. Voilà, deuxième saut par renversement avant, l'une seule saut groupée. Elle est maligne, elle est maligne, parce que elle a camouflé son mauvaise réception par une présentation au juge sur les trois phases. Enfin, elle sait bien que tout de même, là, regardez bien. C'est quand même un saut nettement moins coté, l'une salto avant encore groupée. Voilà, regardez, hop, elle sent qu'elle s'en va, hop, elle se précipite et elle se présente au juge en essayant de camoufler ce manque de précision. Alors voilà, nous avons vu cette finale du saut féminin. Et maintenant, ça va être dans ce magnifique Exhibition Center de Birmingham où se déroulent pratiquement toutes les grandes compétitions mondiales de toutes les disciplines. Un palais des sports très fonctionnel.